Coucou tout le monde. Hop. Comment allez-vous? On repart avec notre petit renard pour Spirit of the North. Alors, je pars dans le bon sens, moi. Ben, si, si. Alors, quoi? Attendez, parce que je me rappelle plus des touches. Voilà. Ouais, 2 minutes et c'est bon, il n'y a plus personne. Hein. Alors, on a des cailloux. Beaucoup de cailloux. Alors, on a les fleurs esprits de la forêt, là. Alors, là-bas, il y a un truc. Voilà, on est tout plein sur l'esprit de la forêt. On a un bâton. On doit avoir un pélo tout sec quelque part. Mais alors où? Bien, monsieur. De rien. Ah, si j'ai bien vu, on en a loupé plein en fait. Hein. Alors en soi, ça n'a pas d'incidence sur l'histoire, c'est juste pour débloquer des skins pour le renard. C'est tout. Donc bon, c'est dommage, mais... Bon, et j'en profite, je visite un peu parce que... Coucou ma chacha, comment ça va? C'est très joli ce qu'ils nous font traverser, mais je sais pas trop où ils nous emmènent. Bizarre, on dirait qu'il y a du sang.
Oula! Oula! Wow! Oh, mais ça devient compliqué cette histoire. Y'a beaucoup d'obé dans le coin. Déjà là, mon petit renard, il pourra pas passer. Il y a quand même quelques petites plantes spirites de la forêt là. Truc qui est parti, je sais pas où. Ah bah cool, ça s'est fermé sur ma gueule, bah merci. Il fallait sauter, petit renard. J'ai quand même la manette de vieille. Pourquoi de vieille? On n'est pas vieille, on est vintage. La méga farce du petit renard là. Ça m'a fait vibrer la manette dans tous les sens. On a été invité par ma cousine pour faire ses 18 ans avec son frère jumeau. Bah et alors? Ah, ça remet. On a le pouvoir du petit renard. Là, je pense que j'ai fini. Je vois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Ça doit être juste pour passer. Merde. Il serait bien allé là-bas, mais. Là, je peux pas sauter. Alors, s'il doit y avoir quelque chose à faire. Ah, attendez. Quand je suis un petit esprit. Renard.
Et voilà. Quand je suis un petit esprit renard, je peux faire ce que je veux. Alors, oui, mais c'était peut-être mieux avec le renard dessus. Et voilà. alors attendez, parce que du coup j'ai plus de d'esprit de la forêt là. Voilà. Je voulais pas que t'ailles dans l'eau. Voilà. Squeak, quick, quick. Ah merde, je suis pas allé assez vite. Ah. Ah merde, ça avait marché quand même. Ah putain. Ah, petit renard, tu n'es pas cool. Ah, c'est bon, je peux ressortir. Ah, attention à ne pas tomber dans le trou, parce qu'alors ça... C'est mon talent. Ça, normalement, c'est voilà, c'est d'où je viens. Alors, vu comme c'est fait, il doit y avoir une entrée quelque part. Voilà, on a le bâton. Et il est où celui à qui je dois donner le bâton?
l'impression que le bâton doit m'indiquer où est son porteur, non? Ou c'est juste ça qui m'indique? J'ai du mal à savoir là. Si je fais ça, j'ai plus le bâton. Ah oui, il est là le pélo. Donc d'accord, quand j'ai le bâton qui crépite comme pas permis, c'est qu'il y a, son porteur à côté. Il y a rien de rien, hein. Est-ce que ça me permet d'aller quelque part ici? Non, c'était juste pour lui donner son bâton. Hop. Ouais, rien. Ouais, non, mais je pense que l'entrée c'est vraiment au début, quoi. Ouais, il doit y en avoir dedans. Voilà, maintenant je vais me balader dans les espèces de ruines là. Ça fait pas rire ça. Est-ce qu'il y a des plantes ou nettes? Des plantes ou nettes, esprit de la forêt? Oui. Parce que sans les plantes ou nettes, esprit de la forêt, je ne vais pas aller bien loin. Parce que là, il y a quelque chose où ça me... Bon, je me balade juste, ok. Et où mon bidule? Il passait où ce con? Merde! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, il est là. Du coup, c'est ouvert. Ah, ou faut qu'il y aille en esprit. Ouais, je comprends pas pourquoi il tourne ce truc.
Je me suis encore gouré de touche! Voilà, et je suppose que du coup... Hop. Attendez, c'est là-bas qu'il y a des plantes. Oui, hyper, hyper bizarre le passage des ruines là. T'es pris une pierre par la gueule. Où il va lui? Oui, mais je te suis, mais... Tu vas où? Ils sont tous marrants. Oui, mais je vois pas trop ce que tu veux que je fasse. Non, là, y a rien. Oui, bah. Il y a des moments où il s'énerve, mais je sais pas pourquoi. Merde. C'est que ça doit être par là. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai loupé, un chemin, machin? Non, là, pourtant, non. Oui, ça lui met pas cela dans le monde. Donc là, il y a des fleurs, ok.
Eh mais ils s'en sont tous pris plein la gueule là. Alors, attendez, j'ai pas tout compris, mais j'ai plus de trucs. J'en ai vu des fleurs. Oh putain, je sais plus. Là. Salut JP, comment ça va? Putain, c'était où le passage? Là. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ouais, écoute, ça va, un peu fatigué, mais ça va. J'aime pas quand ils expliquent pas comment t'en arrives là, quoi. Oui. Bah j'avoue que l'ambiance est hyper calme et tout. Si t'envoies un vieux coucou petite perruche à ce moment-là, c'est un peu... C'est pas bien, ça se fait pas. Oh, t'es pas censé me dire où je vais, toi? Non? Merci. Je te remercie. Je sais pas si ça suffit. Si genre il y en a un autre. Il y en a un autre en face. Je sais pas si je dois faire en sorte qu'il soit pareil, qu'il... Je sais pas. Parce qu'en plus, j'ai pas d'autre passage, moi. Je peux pas lui souffler dans les branches à celui-là. Là, je peux pas passer. Non, parce qu'il doit vraiment falloir que j'ouvre. Que j'ouvre ici. Mais déjà tout à l'heure, je sais pas comment j'ai réussi. Voilà, je sais pas comment j'en arrive là. Et où la porte? Là. Et mon petit renard, il arrête pas de faire Hatsum du coup.
Je sais pas, à chaque fois il veut que je regarde les corps, mais oui, mais c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ils sont tous morts. C'est pas de ma faute. Ah, bah il a pas voulu sonner. Pour quelle raison? On ne saura jamais. Merci JP! 13 mois d'abonnement. Trop d'OB. Trop d'OB, trop d'OB, donc il va falloir que j'en casse quelque part. Ah oui, y a toujours mon petit renard, mais ça je comprends bien. On a un bâton. Alors attends, je vais prendre l'esprit de la forêt là d'abord. Voilà, on va prendre le bâton. Au-dessus, est-ce que je peux monter quelque part? Ça paraît bien compliqué. Attends, le propriétaire du bâton doit être quelque part par là. Mais où? J'en sais rien. Dans le coin parce que le bâton il s'énerve. Ah, il est là. T'es monsieur, tu te rends ton bâton. Ça me donne envie de bailler. C'est vrai qu'il est hyper hyper calme le jeu, mais vraiment hyper calme. Mais ça fait du bien de temps en temps des jeux un peu plus calmes. Ah oui, ils viennent de fou, ça on est d'accord. Mais ça fait du bien. Pas toujours des jeux où tu te tapes dessus. Ah oui, mais non, mais là tu peux pas. Je suis intaclable. Par contre, je pense que ce soir, il devrait être fini. C'est vraiment pas un jeu long. Il faut que je poursuive mon pote, là. Ok. Libéré du truc rouge avec l'esprit de Pété Renard. Voilà. Par contre, j'ai pas vu de plantes. Ah bah, j'ai rien dit. Excusez-moi, elles sont juste là. Alors. Alors, étant donné que j'ai toujours pas compris ce que je devais foutre avec mes machins, hein.
Chelou, non! Quoi, elle correspond à l'image? Il n'y en a que trois? En fait, c'est que là, je n'arrive pas à comprendre depuis tout à l'heure ce que j'ai fait qui fait que ça change les trucs. Si, c'est bon, je les ai bien alignés. Le truc, ça fait les morts, le renard, c'est la vie, et l'autre, c'est la construction. Ah! Excusez-moi, je me suis coincé la jambe. J'ai un certain talent pour me coincer les guibolles, moi. Eh, je sais pas, genre on dirait on est dans le château du renard quoi. C'est trop chelou. Mais il a fini ce machin, oui. Est-ce que lui, il se... Je savais pas du tout ce que je voulais faire. On peut crier sur le renard ou on peut pas crier sur le renard? Non, je peux pas crier sur le renard. Ah mais là, je sais pas. J'ai fait un micmac, je sais pas comment j'ai réussi ce truc, je me suis coincé mon pied. Moi je vous dis c'est le talent, hein, franchement. Alors, je sais pas, est-ce que sur celle-ci je peux leur crier dessus? Non, ça fait éternuer mon petit renard. J'aime pas quand ça fait éternuer mon petit renard. Va être tout pesteux après. Ah, d'un coup, j'ai eu la force de la croquette. Ah ouais, mais merde, fallait que je le laisse où il était. Ok. Alors, attendez, attendez, parce que là... Ah putain! Et si j'arrêtais de me gourer de touche aussi? Donc, force de la croquette. Voilà. Eh quoi? Hop! J'ai eu le temps ou pas? Si, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps, j'ai eu le temps de faire. Serbe? C'est pourquoi tu regardes du serbe? Ah, pas non? Attendez, il me faut des fleurs magiques. Alors, donc là, ça s'est ouvert. Est-ce que je peux leur crier dessus? Non. Non. Et il va falloir que je monte. Thank you.
Pourquoi qu'il chouine? Je sais pas, mon copain, là, des fois, il chouinasse, mais... Non! Mais je sais pas pourquoi. Mais je regarde pas, c'est mon cul qui a changé de chaîne. Mais toi aussi, si t'as ton cul qui change de chaîne sur la télé serbe... Oh oui, non, mais oui. C'est un jeu de plateforme, alors là, faut que je laisse mon renard. Voilà, mais comme je me suis foiré... Voilà, je suis déjà plus en renard. Je suis coincé. Mais comment je fais? Parce que là, si je me décale, ça referme, non? Mais c'est... Ah, c'est là, putain, j'allais trop loin. Merde. C'est pas Ida, c'est que il y a plus l'esprit dedans. Pourquoi ça a pas ouvert? Mais pourquoi ça a pas ouvert? Putain, j'avais réussi, ça s'est pas ouvert. Sérieux? Hop, on en a libéré un. Fou! Bah, dans un sens, oui. Enfin, oui et non. Il divise son corps et son esprit, mais c'est jamais bon signe, on va dire. Hop, est-ce qu'il faut que je l'éclaire? Ou est-ce qu'on voit ça plus tard? Non, je peux l'éclairer. Hop. Voilà. Alors, ensuite, la suite. Que j'ai réussi ça, je ne sais comment. Mais attendez, je vais reprendre un petit point de vue plus haut. Là, je pense que pour le coup, faut que j'y aille. Merde, un truc. Ah bah si, meuf, quand ton esprit quitte ton corps, soit t'aider, soit tu regardes Walking Dead et pas d'autre choix. Oui, voilà, en général, c'est pas bien bon signe, hein, on est bien d'accord. Hein. Ah merde, c'est à gauche qu'il faut que je saute. Je fais n'importe quoi, je suis une vraie croquette. Après... Ah putain, je suis pas pressé d'élan. Ça m'entraîne pour le jeu de plateforme, hein, parce que... Moi qui n'aime pas ça... Je suis servi. Oula. Cours, petit renard, cours. Il y avait donc un trou. Oui, mais de temps en temps, ça fait du bien. Pas toujours obligé de se taper dessus.
Comme là, vous avez le résumé de tout ce que j'aime pas. Alors après, tu t'énerves entre guillemets plus quand tu le joues. Parce que t'as ce côté, tu veux finir. Après, oui, c'est sûr, c'est pas Titanfall, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et de deux. Pour le coup, je vais peut-être pas redescendre parce que vu que tout à l'heure je me suis fait niquer. Ben non, du coup, j'arrive là. Ah ouais, au final, j'ai fait le tour. Sauf que des trucs, on est bien d'accord qu'il y en a trois. Donc, où est la troisième? Ou alors il fallait que je gueule sur le truc là-bas? Ah! Attendez, je m'en vais vérifier ma théorie. Attendez, par là je remonte pas. Bon, bah, maintenant que je suis en bas, je vais l'allumer le machin. Non, mais il y en a même 4! Ah, j'ai mis là-dedans. Je pense qu'il fait. Oui, il y a ça aussi. Quand j'y arrive pas, je m'énerve. Mais là, tu vois, j'essaie de rester calme, zen et détendu et tout, et je m'en sors bien. Attendez, parce que elle, sa racine, elle est là. Ah, elle n'avait pas vu t'as tout à l'heure, Mathie. C'est par où je suis arrivé, le con. Ah, est-ce que la racine va au-dessus? Putain, c'est chiant, je peux pas remonter par là, je vais me taper tout le tour. Merde. Putain, j'ai cru que j'avais glitch le renard. Parce qu'à mon avis, c'est ça, faut que je suive les... Les racines. Et du coup, est-ce que j'ai pas fait gaffe? Ah, attendez, celle-là, elle part là, là. Et là, et est-ce que c'est pour ça que tout à l'heure, il me gueulait dessus cette affaire de con? C'est pour ça qu'il me gueulait dessus. C'est qu'il faut que je détruise celle-ci. Oh yeah, putain, il y a des moments où je suis vraiment nono. Attendez, j'ai vu des fleurs, j'ai vu des fleurs, elles sont où? Là. Toujours écouter un renard d'être bichette. Ah là, et là, faut que je gueule sur celle qui est là. Bon bah, on redescend. Hein. La meuf qui capte à la fin du jeu qu'en fait il fallait qu'elle regarde les racines et tout. Si j'avais fait ça dès le début! Ah, du coup, c'est ouais, c'est celle-là, c'est ça. I. Là, ici. Voilà. Voilà. J'aurais fait ça dès le début.
Ça m'aurait évité bien des ennuis. Alors, on reprend les petites fleurs démoniaques. Enfin, sinon, elles ne sont pas démoniaques. Elles sont de quel côté? Attendez. Je vais passer par la terre ferme parce que quand je passe par l'eau, il met trop de temps avec la cinématique. Hop! Non, peut-être pas quand même. J'aurais gagné 10 minutes. Alors, lesquelles j'ai pas éclairées? Celle-ci. Hop. Hop, on retourne chercher. Et en plus, depuis tout à l'heure, du coup, j'ai mon téléphone qui sonne pour me dire tous les succès que je fais. Hop. Et celle-là. Alors, la puissance des cailloux, j'y gagne quoi? Ah! Descends, on t'appelle. Yahoo! Non mais attendez, on part dans les profondeurs de la terre là. Je sais pas où on va. Je sais pas, je disais quoi? J'aurais gagné 10 minutes de jeu. Non, c'est pas ça que je disais. Mais ça, c'est quoi ce truc? Ah, mais le pauvre petit renard! Ah, pour me dire tous les. Comment on dit? Pas les hauts faits, les succès! Il me dit tous les succès que je suis en train de faire, donc en fait, j'avais je sais pas combien de notifs. Spirit of the North, machin, nanana, nanana. Bon, attendez, alors on arrive au chapitre 5. On va se faire la pause maintenant. Et puis on va continuer. Je sais même pas combien il y a de chapitres. En théorie, c'est pas un jeu à 12 000 heures, hein, donc potentiellement on peut le finir ce soir. Je sais pas combien il y a. Attendez, je vais essayer de voir combien il y a de chapitres. Ah, quoique. Quoique. Peut-être qu'on le finira que mercredi en fait. Parce que je vois qu'il y a 8 chapitres. On est au chapitre. On commence le chapitre 5. Et je mets environ 1 heure par chapitre. Donc ouais, on n'a pas fini encore. Bon. Écoutez les croquettes. On se fait la pause. Ne partez pas. De quoi après la pause ou mercredi? T'inquiète, si tu pars, il n'y a pas de souci. Hein. Allez, petite croquette, je fais vite la pause et on reprend dans 5 minutes pour la suite du jeu. Ne partez pas. À tout de suite.
let's go les croquettes. On y retourne. Allez, on réveille le petit renard. On va reprendre de l'esprit de la forêt. Hop. Donc, on... je suppose, continue par là. Oh putain, elle prévient l'esprit de la forêt là! Mon dieu! Mais ce pauvre renard depuis le début, ce qu'il subit! Il y a plein de statues de petits renards. Ah ok, là il y a une dalle pétée. Là il y a des fleurs, parfait. Non, je pensais que ça faisait un truc, mais... Ah si, ça m'a activé là-bas, d'accord. Wouhou! Attends, copain! Mais attendez, mais il est parti dans le turfu, le machin! Bah oui, bah attends-moi. Ce truc rouge dans le ciel quand même, c'est hyper flippant. J'en démords pas. Ok. Par où je passe? Alors, je peux pas passer par là parce que c'est cassé. Non, je vois pas de fleurs. Ah, ce que je trouve bizarre. Ou alors, il fallait peut-être que je passe en esprit. Ah non, c'est que voilà, ça me permettait d'aller de l'autre côté. Ok. Bon bah je suppose que je monte, j'ai pas tellement le choix. Ça m'aura bien baladé, cette histoire.
je voulais pas redescendre. Non, je veux pas redescendre. Mais là je redescends. Ah ouais. Parce que normalement, quand je suis en petit esprit, voilà. Parce que ça me dit par où je peux passer. Est-ce qu'il y en a un autre que je n'ai pas vu? Ouais. Ah putain, ça laisse pas beaucoup de temps pour voir. Ah, ça y est, les succès qui s'affichent sur le téléphone. N'empêche, il est vraiment beau. Je crois qu'il y avait moyen, je sais plus comment. Ah ouais, bah ça c'est les différents skins. Puis là il est beau. D'accord, ça c'est pour faire ça. Ça c'est le diaph lumière, c'est vraiment. Ah ouais, c'est genre la puissance du renard. Ça c'est le bokeh, ok. Attendez, on va essayer de se trouver un petit coin pour se faire une jolie photo, petite photo souvenir. Attendez, est-ce que je peux arriver à monter là? Bah, je m'éclate 30 secondes, hop là, voilà. J'ai le droit, c'est mon jeu, c'est mon stream.
Alors, bah là, on en a déjà pas mal qui sont éclairés. J'avais pas vu. Je crois qu'on a toute la force de la croquette là. Alors, quel est le dernier pouvoir? Ça me TP, d'accord. Alors, je me suis foiré, mais ok, j'ai compris le principe. Ça marche pas. Ouais, non, faut vraiment que je reste sur. Faut que je TP directement. Et ça m'envoie pas assez loin. Alors là, moi, no comprendes. Parce que je peux pas sauter. Du coup, je comprends pas. Ah, on va être confronté à un problème. Je garde bien le doigt appuyé en plus.
Ah, attendez, on va essayer un truc, hein. Non, ça marche pas non plus. Alors, je vais essayer de me re-TP, mais ça marche pas non plus. Eh ben, je comprends pas. Ce qu'il y a, c'est que je peux pas passer autrement. Là, je vois pas ce que je fais pas comme il faut. Là, je veux vraiment pas. Désolé, je prends 30 secondes pour essayer de comprendre ce que... Ce que je fais de mal. Ah, il lui arrive la même merde que moi. Il s'est dit la même chose que moi, peut-être avec de l'élan. La même chose d'attendre que ça charge. Mais il arrive au même résultat que moi. Bon, ça me rassure dans un sens. Voilà, il va essayer en esprit.
final, en esprit, ça ne change rien. Ah, si, d'accord. Donc, hop. Alors, il m'explique comment il a réalisé ce miracle? Non plus, ça marche pas. Mais du coup, ça doit marcher même en animal, attendez. Non, ça marche en esprit parce que oui. Il y a le poids. Ah oui, putain, je suis con. Voilà, ça m'a ouvert la porte. Ah putain. On va se prendre des petits esprits de la forêt. Ah putain. Ah, je me fatigue des fois. Oui, j'avais bien le truc en esprit, mais j'avais pas réfléchi. Mais je suis con, putain. Alors. Ah, attendez, parce que s'il faut sauter, on n'est pas rendu. Ah, mais oui, mais attendez, je viens de réfléchir qu'il y avait le truc. Et voilà. Ah, loupé. J'arrive pas à voir si c'est un endroit qui est moins large. Peut-être là. Parce que je vois qu'il m'attend de ce côté. J'y étais presque! Allez, je vais remettre 120 ans. Yes. Bien. Ah, j'allais dire pétasse, ça servait à rien. Non, non, c'est bon. Pas de panique. Attendez, parce que je sens qu'on n'est pas rendu, mon corps. Trop tôt. Putain, j'ai glissé sur la cachette. Ah, mine de rien, c'est hyper dur. Oh. Ouf.
Ah, fallait que j'attende un petit peu, peut-être. Ah, mais on y arrive, on y arrive, on y arrive. Alors, j'espère juste qu'il fallait pas que j'aille là. Ah, il y a un bâton. Il y a un bâton, mais comment j'y vais au bâton? Parce que là. Ça me paraît compromis. Ah, je refais pas le tour. Alors, il y a bien des choses. Où il s'énerve, lui? Oh. Oui, je sais pas, tu t'enjailles là, mais tu t'enjailles pourquoi? Il y a plein de fleurs. Ah, attendez, là, il y a plein de portes. Enfin, de genre de portes. Là, je peux pas y aller. Quoi? Faut que j'aille là, d'accord. Machin, il a dit, tu vas là, ben, on va là. Hein. J'ai compris. Mais à un moment, t'es pas censé me dire où il y en a. Il en aura fait des bandes, petit renard Bichette. Hein. Et ça va faire couler de l'eau, non? Ah non, ça fait juste descendre le caillou. Ah si, ça bouche le truc, ça fait monter le niveau de l'eau. Donc ça doit être pour me faire aller là-bas. Parce que j'ai pas fait gaffe tout à l'heure, mais je devais peut-être pas pouvoir y aller. Mais il est où ton proprio? Plus par là.
Ah là, une croquette de plus libérée. Et moi, je partais par là. Hop, on va profiter qu'il y a une sauvegarde ici pour s'arrêter là pour Spirit of the North. Demain, Stranded Deep. Mercredi, on reprend Spirit of the North et on verra si on le termine. Sur Discord, je vais vous mettre un vote. Donc, là. S'il y en a parmi vous qui ne l'ont pas. Marche toujours cette commande. Voilà. Je vais mettre du coup un vote sur le Discord pour vous faire choisir le prochain jeu solo. Je vous mettrai trois jeux. Et vous choisirez le prochain solo. Voilà. Donc demain on se retrouve pour Stranded Deep, mercredi on finit Spirit of the North je pense, et jeudi on retournera sur Stranded Deep, je ne pense pas qu'on pourra retourner sur Seven Dead tout de suite, mais on va essayer de faire ça vite et bien. Voilà, merci à tous d'être venus, merci encore JP pour ton 13e mois d'abonnement. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, une très bonne nuit, et je vous dis à demain. Bye bye!